Eh bien, je me présente à l'élection présidentielle en 2022 comme en 2017 pour rendre aux Français leur démocratie. C'est-à-dire que ce sont les Français qui doivent décider de ce qu'ils veulent dans tous les domaines pour leur vie quotidienne, pour l'avenir de la France, pour l'avenir de leurs enfants. Quand je dis tous les domaines, c'est en matière sociale, en matière économique, en matière de niveau de vie, en matière agricole, en matière industrielle, etc. Eh bien, pour redonner le pouvoir aux Français, il faut simplement qu'ils en aient le moyen, c'est-à-dire qu'ils sortent de tout ce qui les empêche de décider par eux-mêmes de ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, on connaît, sortir de l'Union européenne, sortir de l'euro, sortir de l'OTAN, sortir de toutes ces organisations transnationales qui, en fait, nous imposent une politique, ce que beaucoup de Français n'arrivent pas à comprendre. Moi, j'explique que si nous restons dans tous ces traités, en fait, on a toujours la même politique. C'est d'ailleurs ce que les Français voient. Ils votent à droite, ils votent à gauche, ils votent Sarkozy, Hollande, Macron. Ils ont en fait toujours, en gros, une même politique qui est une politique de gestion extinctive de la France. C'est la bonne question. Moi, je fais des promesses, je prends des engagements. Augmentation du SMIC, augmentation des logements, 80 000 logements par an, augmentation de l'emploi, 1 million d'emplois créés par la sortie de l'euro, diminution brutale d'un certain nombre de dépenses superfétatoires, comme tout ce qu'on dépense vis-à-vis de l'Union européenne, les régions qui coûtent des fortunes, le CICE que je supprime pour les grandes entreprises, etc., etc. Et moi, pourquoi est-ce qu'on me croit ? Parce que je prends un engagement que les autres ne prennent pas. À mi-mandat, au bout de 2 ans et demi de mandat, j'organiserai un référendum révocatoire. Et les gens pourront juger, je dirais, est-ce qu'au cours des 2 ans et demi, le début de ce mandat, la première moitié, est-ce que j'ai déjà fait la moitié des engagements ? Et les Français répondront. S'ils estiment que j'ai fait en effet la moitié des engagements, ils voteront pour mon maintien jusqu'à la fin du quinquennat. Et s'ils estiment que ça n'est pas bien, ils me chasseront. Voilà. Il me paraît que je pense que c'est naturel d'agir comme ça vis-à-vis des Français.